Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose ? Et c'est un peu pour voir. Bonsoir, yes oui, Ethan, Castellanos, pam 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 pam, et bienvenue dans Resident Evil V, bâton. Aujourd'hui, dans la suite de notre feuilleton, nous arrivons vers la fin de cette journée infernale dans ce village à la con, alors que nous continuons à explorer la fête foraine de Heisenberg, dans laquelle il développe ses zombies Gundam du futur. Alors que Capcom commence à arriver à court de cocaïne. Donc nous sommes dans l'usine du Clodomancien. Le dernier d'X-Men avec le gros. Maqué, mon beau, c'est que toi, belle mine. Oui, ce sont tes mains. Il ne faut pas les manger. Ne le mange pas. Non. Non. C'est bien. Donc, la dernière fois lors du dernier épisode, j'ai lu vos commentaires. Brave chance, c'est longtemps que je n'ai pas joué. Je ne sais plus jouer. Commençons déjà par recharger ceci. La machine à fompe, comme je l'appelle. Très bien. Et vous étiez là, Bob, c'est pas efficace de ne pas acheter les munitions. Enfin, d'acheter les extensions de chargeur de fusil à pompe plutôt que les munitions de pompe qui coûtent moins cher. Oui, mais les munitions de pompe normales qui coûtent moins cher, je peux les mettre dans le vrai fusil à pompe qui, lui, fait vachement de dégâts. Là où les munitions de pompe qui ne coûtent pas cher, c'est de l'optimisation. Parce que, mais Bob, tu dépenses de l'argent. Oui, mais à un moment, il faut bien dépenser les thunes. Ouais, tu vois, surtout qu'en plus, il n'en vend pas 15, il en vend 5. Voilà. Donne-moi tout. Tu vois, il n'y a pas de raison. Et je regarde, il ne vend plus rien. Vous voyez, comme quoi on a tout pris. Amélioration. Et on ne peut plus améliorer la capacité du fusil à pompe. Donc, une fois qu'il sera vide, c'est fini. Il faut le vendre. Très bien. Ça, il faut pas l'améliorer en l'état parce que j'ai pas tant d'argent que ça. Ça, ce serait bien parce que si on arrive à le vider entièrement et qu'on le recharge, bouc, 15 balles de fusil à pompe, de fusil sniper gratuit out of nowhere. Ça, c'est 49 000 pour le recharger, mais c'est rentable aussi. 42 000, pareil, mais c'est rentable aussi. C'est être en vie. Oui, bah, ce que t'as, c'est principalement du diabète. Alors, attends, voyons. Pièce mécanique, ok. Crochet, très bien. Remède de premier soin, j'en ai plein. Munitions pour pistolet. C'est tout, j'ai rien. Ah, j'ai tout vendu. Ah, d'accord, donc c'est la zermie. C'est la fin de l'argent. C'est terminé. Bon. Eh ben, écoute. Lors du dernier épisode, il fallait que nous pénétrions. Ah, bah oui. Ah, oui, avec le moule boule. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, le moule boule, oui. Oui, bien sûr. D'accord. Tout à fait. Il faut qu'on aille utiliser le moule-boule. Excusez-moi. Après tout, c'est la saison. C'est estival, il fait beau, il fait chaud. Nous sommes en Roumanie. C'est le moment. Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah! Oh! Un quartz! Excellent. C'est tout? C'était tout pour la zone. Bah super! Super, comme ça c'est fait. Qu'est-ce qui me manque comme zone ici? Parce qu'il faut que je continue là, mais pour ça il faut d'abord que je retourne à la fonderie du cul. Ah! Oui, voilà. Fonderie. Là c'est là où il faut mettre la boule. Là apparemment j'ai oublié quelque chose, j'ai envie de dire. Tant pis. Là aussi j'ai oublié des choses, j'ai envie de dire. Tant pis, mais fonderie, il faudrait ouvrir ça idéalement. Et ouvrir cette pièce là aussi. D'accord, très bien. Donc pour ça, aïe. Pour ça, si je dis pas de bêtises, il faut retourner auprès du gros. Utiliser les techniques inversées de gravité Capcom afin de pouvoir déplacer l'ascenseur industriel qui est plein à craquer. Et spoiler, c'est pas en enlevant la moitié de son bordel qu'on fera baisser le poids. Regardez-le comme il s'en bat les couilles. Il me fait rêver ce perso. Du coup, on est au bon niveau. Attends, non, c'est ça. C'est ça.
Ah, il a de l'ail. Mais attends, mais l'ail, ça repousse pas les loups-garous. C'est les vampires. Ouais. Fais gaffe, tu fais de l'apnée du sommeil, mais alors que tu es réveillé. Terriblement dangereux. Voilà. Et on arrive, il y a même la map. Ok, materials. Donc là, si je dis pas de bêtises, là il y a la boule, mais on l'a pas. On a le mole boule, mais pas la boule. C'est sombre. Bah, tout ceci est soudainement inquiétant. Il y a maintenant une attaque surprise. Peut-être un débilus avec sa perceuse. Tu crois que c'est comme ça que tu perces dans le game? Ah! Oups! Bouc! Oui, bien. Après tout, s'il veut ne pas se défendre, qui suis-je pour m'en plaindre? Qui suis-je pour m'en plaindre? Tout ceci est terriblement inquiétant. Faut-il que je descende? Est-ce que je suis dans la bonne direction? J'espère. Peut-être. La vérité, c'est que je n'en sais rien. Très bien. Parfait. Avançons dans les ténèbres de l'inconnu sans avoir peur. J'espère en tout cas en regardant cette vidéo YouTube que vous, vous n'avez pas peur. Bonjour. Oh. Et pensez à fermer la porte en sortant. Oh. Ça lui apprendra mal au trou. Y'a rien ici, hein. Non d'accord, c'était la foudre qui a des choses. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pas des pièges. Pas des pièges. Pas des pièges, pas des pièges. Très bien. Ok. Utilisons les moules de la clé. Hop! Allez-y, on verse le petit chaudron. Et comment? Comment le liquide il sortait du chaudron? Par le petit trou? Bah oui, mais il a pas penché ni rien. Enfin, je... Il y a une trappe? C'est automatisé? Mais ça avait l'air en fonte? Ça fait aucun sens. Ah! La clé! Bah attends, laissez-moi regarder. La clé d'Heisenberg! Attends. Attendez. Je sais que la technologie des moules, c'est quelque chose qui est bien avancé, mais s'il y a des forgerons parmi les gens qui regardent ce que je fais ou des gens qui travaillent le métal, est-ce qu'on peut produire quelque chose d'aussi? Mais il y a déjà une vis! Regarde ça, il y a déjà une vis dedans! Mais tu peux pas mouler une vis! Enfin, si, tu peux mouler une vis, mais... Mais non! D'accord. Très bien. Muy bien. Pose pas de questions. Les moules magiques de Capcom. Et maintenant, El Moule Boule. Vas-y, mets tout. Oh là là. Plus qu'à pisser dessus. Et je vous présente la couille. Oh là. Fais voir la boule. La boule des chevals de fer. Et ça, tu vois, ça par contre, mouler directement dans un moule, je veux bien y croire. Enfin, je veux bien y croire. C'est quand même. Elle aurait bien besoin d'un coup de polish. Hein. Elle sort, elle est déjà sale. Très bien. Mais ça veut dire que on n'a pas eu tous les objets ici. Ah bah. D'accord, il y a du fluide chimique. Bah d'accord, on a eu tous les objets ici, on gagne un temps fou. Là, il y a la porte qu'il faut utiliser, et là, il y a des choses. Commençons par là où il y a des choses, parce que la clé, c'est sans doute important, ça fait sans doute avancer. Et plutôt que de prendre ce fusil à pompe, prenons l'ancien. Voilà. Dont on peut utiliser les balles à loisir. Je l'avais pas vu ça la première fois. Muy bien.
quartz jaune. Très bien. Ça vaut dès l'âge. Hein. Ah! Oh! Attends, une seconde, j'arrive. Déjà, les balles! Les balles, c'est la vie! Un crochet. Un zombie, deux zombies, trois zombies, quatre zombies, cinq zombies, 500 zombies! Bon! Précaution numéro 1. Précaution numéro 2. Voilà qui devait régler les problèmes de toute velléité belliqueuse. Ouh, des grenades aveuglantes, c'est moins cher que gratuit. Ah! Pour une surprise. C'est une surprise. Petit. Ah d'accord, j'ai un demi-tour rapide, j'avais oublié celui-là. Un taux de pénétration maximal. Eh bien, ce mec mort a de meilleures dents que moi. Je suis jaloux. Par contre, il a, on dirait un peu le visage. C'est un peu le visage de la lune dans Majora's Mask. Non? Ça fait pas un peu au but troisième jour? 100%. Ou 30 balles de pistolet, ça par contre c'est jutax. Enregistrement de l'opération de revitalisation. Ceci est ma 18e tentative. 18, c'est pas beaucoup. Le sujet est Oscar le palefrenier, âgé de 20 ans. Il est tombé dans le puits alors qu'il était ivre. Le corps est en bon état. Eh bien, partie hard. Incision thoracique terminée. Je vais retirer le cœur et les organes vitaux et implanter l'appareil de contrôle. Excellent. Le cadeau a commencé à adhérer au système nerveux. Il progresse encore plus vite qu'avant. On dirait que j'ai bien fait d'augmenter la quantité de méta-albumine dans le sang artificiel. Oh, la science, Capcom. Maintenant, il faut que je fasse passer un courant de 6600 volts dans le tronc cérébral. Zap! Allez, faut que ça marche cette fois. Oui! Ma création. Enfin. Cette carte va avoir ce qu'elle mérite. Fin de l'enregistrement. J'aime quand il précise fin de l'enregistrement, ça fait tellement aucun sens. Cette garce va enfin avoir ce qu'elle mérite. Des Gundam zombies débilus dans la gueule? Exactement. Tu pourrais juste lui envoyer des loups-garous. Hein. Par contre, regardez ce que j'ai trouvé. Oh là 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 là. Elle extension de pénis. Pardon, excusez-moi. Attends, c'est shift. Non, alt. Ah non, alt, c'est quoi? Shift? Shift, ouais, très bien. L'extension del pénis. On a le chargeur, on a l'extension des pénis. Non, je peux pas modifier, je vais examiner. Oh là là, je peux pas le tourner. C'est marrant ça, je peux pas le... D'accord. Oh là là, c'est beau. Hein. Et on a le chargeur, miam miam. On a une au balle dedans. Un chargeur plein. Honnêtement, on est bien. On est bien. Va falloir commencer d'ailleurs à oser sans... Non, d'accord, je pensais que ce mur allait exploser. J'ai eu peur. Va commencer à falloir oser s'en servir d'ailleurs. Très bien. On a tout vidé. On peut revenir et ouvrir cette porte. Allons-y. En espérant que tout se passe bien. Personne à droite. Personne à gauche.
Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh les bons. Oh Polo. Oh. 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 Petit. Venez. Parfait. Technique secrète. Stratégie vietnamienne. Dien Bien Phu. Et voilà. Fin de toute velléité combative. Ouh, ferraille, de la poudre, on a tout gagné, y'a rien d'autre ici. À part juste des gens morts sur lesquels il est expérimenté au pif. J'avais même pas vu le coffre. Ah, un arbre. Un arbre. Habituellement, c'est pas ma cam. Bien. Ah! Papabara! D'accord. Ah bah oui! Ah bah oui! Enfin, je dis ah bah oui, mais non! Ça fait aucun sens! Pourquoi pas un marteau normal? Mais oui, j'imagine que... Oui, c'est stylé, oui. Mais pourquoi pas? Très bien. Marteau d'Heisenberg, eh bah très bien. On a récupéré son objet collectable. On a mis le bœuf avant de l'avoir tué. Il ne reste plus qu'à vendre la peau de l'ours avant la charrette. J'ai tout pris ici, j'ai tout pris, très bien. Là, tel que je suis, je veux revenir à mon point de départ, très bien. Moi, ce que j'espère être mon point de départ. Allons-y. Qu'est-ce que... Oh mazette! Il m'a l'air un peu plus équipé que les autres. Ah. Bonjour! Ça ne l'a pas... Bien. Bonjour! Le point faible est révélé. On progresse. Ne pas paniquer, surtout. Ne pas paniquer. Gardez un contrôle relatif de la situation. Bonk. Oh là là. Let's boogie. Let's dance. Policia loco. El fuego de mie. Let's boogie. Ouh, let's dance. Policia loco. El fuego de mie. Oh la 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 la. La parete, la parete. Ça touche. Non, il faut que je fuis et que je me mette en position plus avantageuse. Ça touche. Et ça tout. Oh là 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 là, il était ridicule. Miam. Victoire totale. Bon. Oui, Funky Cops, c'est policier loco, hein. Cherchez pas. Je crois pas qu'il y a le mot funky en espagnol. C'est par là. J'espère que c'est par là. Je vais être sincère, je suis... Miséricorde. Deuxième saut aussi, imagine. Très bien, muy bien, pas de problème. Fompe.
va pas arrêter. Alors attends, par où faut-il fuir? Damit, c'est pas grave. Il est plus malin que les autres. Ça touche. Ça touche. On va garantir les hits. On va garantir. Ouh! Et ça touche. Oh là 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 là. Voilà, très bien. Et le sniper est vide. Excellent. On a quand même une science de l'économie de munitions qui est juste parfaite. Le seul truc, c'est qu'il en faut pas un troisième parce que j'ai plus d'explosifs. J'ai plus rien pour faire péter leurs armures, si tu veux. Ça a l'air d'être fini. C'est fini! Oh, liberdad! La liberté! On peut pas. C'est pas de la ferraille, ça. Ok, d'accord. Très bien, merci le jeu, merci Capcom, merci d'avoir joué. Pas de problème. La liberté! Oh là là. Au lieu de. Que voles! Que voles! Que voles! Bah, que voles est-ce? Où est la boule? J'ai récupéré la boule. Merci! Enfin, une seconde, j'avais cru ne pas récupérer la boule. Est-ce que je pourrais mettre la boule tout en bas directement, monsieur le juge? Non? D'accord, très bien, pas de soucis. Oh! Ok. Boop. Très bien. C'est marrant parce que j'avais des jeux comme ça quand j'étais tout petit. Oh non! J'avais des jeux comme ça quand j'étais tout petit. Et rassurez-vous, même à l'époque, je trouvais ça nul, hein. En même temps, comment tu veux comparer ce jeu à Sonic Pinball sur GBA? Oh là. Difficile, hein, je sais. Difficile. Hier à télécoche. Il faut faire un mouvement fluide. Fluide et souple dans les appuis. Très bien. Troisième tentative de pénétration des boules. Palpitant. Ici, sur Bob Lennon, tous les jours du vrai gameplay. Une maîtrise de la page. Ah, mais, oui, mais, Wait, je le tiens. Il le tient, c'est maîtrisé. On reste sur le manège, c'est comme les ronds-points. Tu pars pas du rond-point tant que tu ne maîtrises pas la balle. Madre de Dios, cesse de mourir toi dans ton coin. Mais qui meurt, il est en mode blé. Cause de décès, gros. Impeccable. Faut pas se moquer, c'est une vraie cause de décès. D'accord, mais il y a gros et être américain, si tu veux. Là, normalement... Ah non, mais non, mais non, mais il voulait... On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Là, ça pénètre. Très bien, très bien. Non mais elle est pas tombée là. Bah elle est tombée. Quel enfer. En plus t'es obligé d'attendre. La boule est de l'administration. Ok. Sauf là, je suis déjà dans le bon angle. Je me laisserai pas baiser. Voilà, je me laisserai pas baiser.
Allez, viens là. Voilà. Viens, j'ai dit. Viens. Viens. Viens, débilus. Quand même. Pas vrai. Non, ne viens pas tant. Oh, il est venu. Bon. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Ici, le vrai gameplay. Ping. Ça, c'est le bruit de mes dents quand je souris, si tu veux. Après tout, on a payé pour s'emmerder. Resident Evil 8. Hop. Voilà, très bien. La tour fait une attaque. In your friend in danger. Acquire boule. Mais non, mais mille fois elle rentre là. Putain, l'arbitre. L'arbitre. Bon. Il faut que j'utilise le système de pivot rotationnel à mon avantage. Et surtout, en fait, il faut que j'y aille doucement. Il faut que j'arrête de bourrer. Voilà, exactement pas comme ça. Non, c'est trop. Les angles qui deviennent de plus en plus hasardeux. De plus en plus excessifs. Je crois que le terme correct, c'est un homme dans la colère. Là. 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 Doucement, doucement. Laisse-moi voir où est-ce qu'on est d'abord. Ne reviens pas. Voilà. Doucement. Maquer doucement, hein. Doucement. Ok. Bien. Donc là, le petit bolide, il m'emmène je ne sais pas où. Sincèrement pas où il m'emmène, le petit bolide, là. Je suis censé suivre la route tout seul, comme un gras. Ok, très bien, muy bien. Pas de problème, pas de problème. Doucement, petit bolide, doucement, doucement. Petit boule, petit patapon. Roule. Mais ne te fais pas baiser. On y est. Oh, ça pénètre. Et là, la couille pénètre dans le spermatozoïde. Et c'est la fécondation. Wouh! Crâne bistre. Je sais pas ce que veut dire bistre, mais ça doit être une couleur. Mon gros, j'ai trouvé des choses. Mais tu vas améliorer mes fusils. Oh oui. Merci. Toujours enthousiaste. Il fait régler. Il fait rêver. Deux quartz jaunes, un crâne polycristallin. Quelques bricoles. Je vois. Trois cœurs mécaniques. Deux cœurs mécaniques parfaits. Le marteau d'Heisenberg. Réveille-toi. Oh, vous m'apportez quelque chose de spécial. Oh oui, quelque chose de frappant. Très bien, un crâne bistre. Excellent, et tout le reste, c'est du bonus. Qu'est-ce que tu vends? Rien d'intéressant. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Je suis bien d'accord. Alors, les armes. Voyons voir les armes. Où en sommes-nous? 3, on peut J'ai charger. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Ça, on peut charger, et il me faudra des lance-grenades. Ça, ça sert à rien, et ça, c'est très bien. Ok. Naturellement. Naturellement. Améliorer. Alors, pistolet. Améliorer pistolet. Capacité 18. Boum. Chargeur plat. Très bien, merci madame. Ça, il n'y a rien à améliorer. Ça coûte cher, de toute façon, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais en l'état, il est très bien, si tu veux. Fusil à pompe tel qu'il est, non. Et ça, oh, 15 balles gratuites. Juteux. Ouh, et on peut avoir une petite amélioration de 20%. Laissez-moi faire. Youte. Tout ceci est youte. Alors que là, tu as seulement 10 points. Voilà, alors que là, tu as de 1000 à 1200, c'est surrentable. C'est surrentable. Là, de 1000 à 2300, c'est même pas 10%. C'est bof, tu vois. 2300, c'est bof. Alors que là, lui, par contre, c'est rentable à max. C'est rentable à max. Il y a encore tant d'améliorations disponibles pour ces armes. Démoniaque. Très bien. Ne faites pas attention à moi. T'as toujours pas du poisson. Dégoûté. Revenez quand vous voulez. Un poisson. Salema, un poisson. Et c'est fini. Le 5% est mort. Ça va vite. Hein. Oui. Oh là là, on est bien.
On est bien. Il nous manque pas mal de grand-mère. Regardez-moi tout ce matériel. Mais non, mais c'est la liberté. C'est la liberté. Quelques grenades, ça ne coûte rien. Par contre, si, ça compte des grosses parts, d'accord. Donc, je pourrais pas non plus en faire péter trop à l'infini. Même si je suis quelqu'un qui aime bien les mines. Voilà. Au début, j'étais pas convaincu par cette fête foraine. C'est toujours aussi con, hein. Plus je regarde ça et plus c'est débile, hein. C'est fantastique. Allons-y. Il est grand temps de partir d'ici. Donc, il propose de rincer Heisenberg autour d'une belle tasse de thé. T'es vraiment un coriace, toi. Et toi, t'es vraiment un connard. Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Tu peux l'entendre, pas vrai? Il y a quelqu'un qui t'attend. Très bien. Prototype Sturm. Oh, c'est les responsables du grand méchant dans Advance Wars. Advance Wars, pardon. J'ai utilisé un turbopropulseur bon pardon, la phrase me tue. J'ai utilisé un turbopropulseur bon marché, mais la puissance du réacteur est peut-être un peu trop élevée. Il est impossible de le contrôler, tout ce qu'il fait c'est charger. Il a beau être complètement invincible devant, cet imbécile a réussi à se couper les bras avec l'hélice, sans parler des problèmes de surchauffe quand il fonctionne trop longtemps. Conclusion, un échec total. Oh oui! Zombie ghost brrr. On va affronter le zombie débilus. Oh, c'est la fête foraine. C'est vraiment la fête foraine sur Resident Evil 8. Hein. Au début, il essayait de faire peur, mais après, il est là. Y'a rien ici. Y'a rien ici, allons-y. Chérie, c'est moi. Viens dans les bras d'Hélène. Connerie, laisse-moi tranquille. Bonjour. Putain! Madre de miséricorde! Ouch, 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 ouch! D'accord, très bien. Ok. Wop! Ouh! Très bien, muy bien. D'accord, il est débile. Ok, très bien, vas-y, vas-y, viens, bébé, viens. Pam, 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 toro, toro. Olé. Toro, toro, toro. Pam, 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 pam. Olé. Capcom qui avait zéro idée. Moi je pensais que c'était juste un truc qui te poursuivait, tu vois, un one shot pour le lol. Olé. Il est même pas bon en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouah! Ah oui, d'accord! Aïe! Ah! Ah putain! Oh la vache! Ok, d'accord, j'ai rien dit! Oh, je meurs comme ça, c'est terrible! J'ai pas le temps, j'ai bourré la touche pour me soigner, mais j'étais dans la hitbox. D'accord, c'est démoniaque. Le lance-flamme m'a surpris. Ok, très bien. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Ah, bien se passer. T'es vraiment un coriace, toi. Et toi, t'es un génie. Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Tu peux l'entendre, pas vrai? Il y a quelqu'un qui t'attend. Très bien, très bien. Un problème, par contre, c'est comment je vais faire pour esquiver les flammes de manière efficace, parce que j'ai pas vu de... Du froid ou du chaud, ça?
Ça ressemble à du froid, hein, parce que si jamais il y a une phase comme ça, bon, c'est pas très grave. Connerie, laisse-moi tranquille. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Voilà. Très bien, vas-y, fais de la place. Très bien, fais de la place, fais de la place, muy bien. Recule. Très bien, il ne sert plus à rien, il faut le jeter ça. Mais il faut aussi que je me soigne. Ouais, je vais en profiter, je pense. Balle là. Oula, oula. D'accord, il fait le coup des flammes. Alors je sais pas comment ça marche ça, il va falloir qu'on le gère. Parce que ça va être un vrai problème. Charge. Marqué, mais il est possédé. Ouais, ok. Au moins ça permet de maîtriser la zone, au moins. Ah putain. Ah, j'y crois pas. Je croyais que ça passait, mais pas du tout. D'accord. C'est chaud, hein, parce que t'as vraiment aucune option de strapping efficace. Merde, ça rate. Pati. Toro. Olé. Voilà. Alors par contre, il faut l'interrompre quand il fait ça. Ça sûr que ça l'interrompt vraiment. Ça l'a éteint? Je l'ai éteint? Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends que ça s'éteint. D'accord. Oui, bien. Multi esquive. D'accord. Ok. Bon, le problème, c'est que ça n'arrête pas tant des masques que ça. On va tenter la technique d'elle. Merde. Ok, non, oui. Petit. Toro. Allez. Surchauffe ça, fils de fou. Il revient pas. Il n'aura pas réussi à être le moteur de l'équipe. Oh, cœur mécanique complexe. Fais voir. Hop là. Ouais, on est d'accord, ça fait aucun sens. Ouais, c'est Capcom. Très bien. Je voulais vérifier à quel point c'était Capcom. Putain, la map, comment je vais faire pour trouver tous les bignous ici? Une mine, très bien. J'en ai pas posé une d'ailleurs, elle a pété.
pense qu'elle a pété, hein, sinon elle ferait bip bip bip. Hein. Elle ferait bip bip et coyote. Hein. Je pense que... Bon. Peut-être il y a des choses. Non, ça dit qu'il y a toujours des choses. Et nous, nous économisons les munitions. Ah. Voilà, nous sommes complets, consciencieux, et j'oserais ajouter, professionnels. D'ailleurs, à ce propos, ouais, à ce propos... Elle demi-tour. Il est où le gros? Il est là. Je profite de l'occasion qu'il soit juste là. Merci. L'occasion qu'il soit juste là pour lui vendre. Déjà, oui, ça c'est gratuit. Ça devrait suffire. Ouais, puis c'est bon. Et. Où ça? Voilà. C'est bien la bonne. Hein. Qu'on se trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est bien la bonne. Très bien. Et celle-ci est vide. Félicitations. 102 000 dollars. Vous n'avez plus besoin de ça. Et voilà. L'argent, mon gars, l'argent. Excellent. Améliorer, bazar, acheter. Ne faites pas attention. Atelier. On est à 5 balles, ça ferait 9 balles pour 50 000 balles. C'est très très cher, je l'accorde. Mais ça ne fait qu'améliorer. Ça ne fait qu'améliorer le fusil. Ouais, bah allez. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. À la prochaine fois. Effectivement, parce que pour te toucher, il faut avoir un coefficient de dextérité assez fort quand même. Hein. On recharge. Ben en tout cas, je suis fier de nous, les enfants. Ça s'est très bien passé, somme toute. Alors, attends. On recharge le fond d'urgence. Voilà, très bien. Jamais paniqué. Et on recharge. El pistolet. Oh. Parfait. Parfait, 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 parfait. Console des contrôles. Qui, spoiler, ne contrôle rien du tout. Très bien. Là, j'ai vu qu'il y avait des objets, mais je cherche tous les items hein, partout. Hein. Je fouille. Hein. Un cigare. Pur stylé. Petit cigare cubain. Miranda est ignoble. Sa fourberie ne connaît pas de limite. Ne connaît pas de limite. Très bien. Pour elle, nous ne sommes qu'une série d'expériences ratées avec le cadou. J'ai simplement eu de la chance de montrer plus d'affinité avec ce truc que les autres villageois. Elle ose encore dire que je suis son fils. Tu parles, jamais je lui pardonnerai ce qu'elle m'a fait. Cette bonne femme a toujours eu une case en moins. Elle est incapable de faire une différence entre cobaye et famille. Miranda n'a pas seulement transformé mon corps, elle m'a enlevé ma dignité. Si je ne la tue pas, alors je ne serai jamais maître de ma propre vie. Ceci dit, elle est peut-être folle, mais elle est aussi très puissante. Elle est capable de prendre n'importe quelle apparence grâce au Megami 7. La clé, c'est cette gamine, Rose. Si je pouvais m'emparer de son pouvoir, peut-être que... Mais j'y pense. Son père, Ethan, a un corps plutôt intéressant, lui aussi. Je pourrais peut-être le forcer à m'aider. Plutôt que de me forcer... T'aurais pu me demander gentiment... Enfin, tu m'as demandé gentiment. C'est vrai qu'Ethan était un peu con, pour le coup. Parce que globalement, c'est... Si je puis me permettre, de la part d'Ethan, c'est pas sa guerre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas sa guerre. Il aurait dû bosser, tu vois, récupérer la gamine et puis on se casse, tu vois. Après, la fille est pas une arme. Oui, bon. Elle est aussi en morceaux, si tu veux. Tu peux bien dire ce qu'il veut, entendre le clodomancien jusqu'à ce que la gamine elle soit en état. Enfin. Parce que là, pour l'instant, la petite puce, elle est toujours dans des bocaux. Elle est en mode marmelade. Tous les matins, je peux me la tartiner sur une tranche de pain. Suspect. Allons-y. Tout ceci est suspect. Oh. Tout ceci est délicieusement suspect. Tout ceci est atrocement suspect. C'est bon. Et hop là. Parfait. On sort enfin de cet endroit de ces morts. Oui bien. C'est vide, ça dit.
D'accord. Ah. C'est quoi ? Oh shit ! Le clodomancien ! Le magnéto du pauvre ! Ah ! El magnéto roumain ! Pas mal ! Pas mal, Ethan ! Tu es tenace. Mais j'ai une rébellion à mener. Alors ôte-toi de mon chemin ! Il n'y a pas de rébellion, il n'y a que des révolutions ! Ah ! Madre de Dios! Et que je te revois jamais! Merde! Attrape le truc! Attrape le truc! Attrape, 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 attrape! Et shit! Espèce d'enfant! Oh la vache! Tous mes plans viennent de tomber à l'eau! Oh putain! Encore! Mais oui! Mais exactement! Non! Laissez-moi sortir! Mais quel enfer! Par contre, est-ce que c'était réellement nécessaire de te transformer? Je veux dire, tu peux arrêter mes balles. T'aurais juste pu prendre ton marteau et niquer ma race, tu vois. J'aurais... Enfin, y a pas grand-chose que j'aurais réellement pu faire. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Dans tous les cas, nous sommes revenus dans les égouts. Y'en a marre qu'on me traite comme une tortue ninja. Miséricorde. Bon. Bon. Ah, ça dit qu'il y a des choses. Fouille des choses. Pas de choses, très bien. Donne-moi ça! Chris! Je t'ai dit de laisser tomber, Ethan! Enfoiré! Relâche le scénario! Tu nous gênes! Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as tué ma femme, salaud! Tu crois que je tuerais Mia? C'était pas elle. Qui? Okay. C'était Miranda. Quoi? C'est une arme biologique. Ah non, ça c'est un tank. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Ah, Miranda, d'accord. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi ? T'as pété mon lustre pour ça ? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite ? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler ! Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes. Mais pourquoi nous ? Qu'est-ce qui se passe, putain ? D'accord, Ethan. D'accord. Je te dois une explication. Passe-moi cette clé. La clé de 12 ? Yeah. Enfin ! Chris qui relâche le scénario ! Le scénario qui était maintenu en otage, braves gens ! Je vous remercie et je vous fais de gros bisous. Merci infiniment et à la prochaine. Allez, zou. Et à la prochaine dans Resident Evil. V. Bâton. Et oui, j'avoue, Chris Redfield, il joue à Cross Out. Il construit des trucs. C'est lol.